Bonsoir. Bonsoir à tous, messieurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et chance de pouvoir vous parler d'un sujet qui m'est cher, à savoir la saga des Final Fantasy. Je remercie DG qui m'a donné l'immense opportunité et cette public et cette tribune pour vous faire partager ma passion pour cette saga. Alors vous vous demandez pourquoi cette vidéo apparaît aujourd'hui? Eh bien, elle fait suite à un certain trailer qui est apparu à l'E3 2019. Oui, nous allons parler bien évidemment d'un certain jeu qui avait à l'époque sur PlayStation apporté ou élevé le format du JRPG dans une autre dimension. De par ses graphismes, quoi qu'on en dise, c'était le premier RPG 3D de cette ampleur, de par ses cinématiques assez époustouflantes, de ses musiques, malgré la limitation de l'époque, restent encore aujourd'hui dans nos mémoires, de par leur sonorité, mais aussi par leur composition assez travaillée. Je veux donc parler de Final Fantasy VII. Ce jeu d'une série, cette pierre angulaire d'un trio légendaire qui avait marqué les esprits, comme je le disais, non seulement par tous les aspects que j'ai évoqués, mais aussi par sa profondeur, sa richesse, comme vous pouvez le voir durant ce trailer pour justement sa sortie à l'époque de PlayStation. Cet univers et cet ODA un peu cyberpunk, mais aussi son message un peu naïf qui paraît aujourd'hui, mais qui à l'époque avait un peu émoustillé les consciences. Je veux parler de ce message écologique qui est présent durant tout le jeu et qui peut faire écho aujourd'hui avec la situation actuelle. Mais d'où vient cette idée de remake, cette volonté de refaire ce jeu gargantuesque? Eh bien, rappelez-vous, à l'E3 de présentation de la PS3, de la PlayStation 3, Square Enix était venu sur scène et avait présenté cette vidéo qui avait attisé beaucoup de fantasmes et de rêves concernant un hypothétique remake de ce jeu. Et malgré les déclarations de Square Enix qui avait manifesté une certaine, pas crainte, mais une certaine réticence à vouloir refaire ce jeu, qu'on peut imaginer certainement pour des raisons financières et de ressources. On sait que Square Enix de cette époque était assez perdu entre les développements de plusieurs projets, d'immenses projets avec la Fabula Nova Crystallis, qu'on ne va pas évoquer pour des... Sinon on va commencer à s'énerver, mais ce Square Enix de l'époque était entre deux phases, entre deux époques justement, entre le développement sur PS2, le développement sur Next Gen sur PS3 qui demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps justement à cause du processeur Cell qui on sait était bien évidemment puissant mais qui demandait un certain temps pour le manier correctement. Et Square Enix, à cette époque, n'avait pas vraiment le temps ni les ressources à consacrer à cette démo, et malgré la déception des fans. Alors, quand en 2015, Sony, durant l'E3, avait passé ce trailer qui avait suscité la curiosité, mais surtout éveillé les rêveries inconscientes, les fans et plus généralement le public qui était présent sur place était totalement emballé par ces images, malgré que ce soit juste des cinématiques, mais c'était une promesse, comme l'a fait à son instar le producteur de Resident Evil 2 Remake, c'est que nous allons le faire, et cette promesse, je le sais, a beaucoup fait plaisir aux fans et aussi qui a suscité quand même beaucoup de questions, d'interrogations, de craintes, car on sait qu'en ce temps Final Fantasy XV n'était même pas encore sorti,
qu'il était dans une situation assez délicate et pénible, car il a été maintes fois reporté, on le sait, l'accouchement assez douloureux de ce jeu, qui malgré ses qualités avait aussi beaucoup déçu, notamment par le fait qu'on s'éloignait de l'esprit de Final Fantasy. Et donc ce remake de FF7 était une manière, plutôt une tentative de réconciliation avec les fans ardents, les fans qui avaient connu cette saga à l'époque, et qui au fil des épisodes récents ne se retrouvaient plus dans cet esprit, dans cette promesse de base qui était de proposer une fantaisie, une aventure. Et l'annonce de ce remake était tout simplement l'espoir de renouer les liens avec cette série qui s'était un peu délitée au fil du temps. Mais on se posa la question légitime, comment refaire un jeu de ce calibre, un jeu aussi énorme qui à son époque proposait une aventure complète entre l'open world qui n'en est pas vraiment un. C'est une world map, mais sur laquelle on pouvait se déplacer de diverses manières, entre les combats, la richesse des combats à son époque, avec les matériaux, la manière dont ces matériaux pouvaient affecter l'équipement et plutôt les statistiques des personnages. Comment refaire les invocations qui étaient aussi soignées qu'époustouflantes, les cinématiques qui étaient énormes, la cinématique des Bahamut, des frites, la cinématique des soldats, des chevaliers de la table ronde qui reste quand même mythique dans l'histoire du jeu vidéo. Comment refaire, comment retranscrire cette ambiance enfantin, un peu à la manière de FF9, une manière assez enfantine, assez naïf de raconter une histoire adulte et mature. Et comment refaire avec les techniques d'aujourd'hui, comme on peut le voir avec ce design qui est vachement plus retravaillé, certes, qui est vachement plus poussé, mais qui trahit une certaine volonté, je pense, de proposer un décalage entre l'univers, les graphismes et le scénario. Et puis s'ajoute à cela une crainte d'une hypothétique censure du jeu, d'une probable censure, notamment avec certaines scènes qui ont marqué le jeu original. Une certaine scène avec le travestissement notamment de Cloud, mais aussi une autre scène dans un bar ou plutôt un club assez homo-érotique dans l'ambiance qui devrait plaire au public de Padawan. Mais donc comment dans notre époque qui a le clic facile refaire ces scènes sans susciter des polémiques? C'est pourquoi je crains un certain lissage et un amoindrissement de ces scènes qui risquent fort de dénaturer l'œuvre originale. D'autant plus que le jeu semblait prendre la route de son prédécesseur, un développement funeste et chaotique où on a l'impression que Square Enix ne sait pas vraiment manager des projets de cette ampleur, ou plutôt qu'une certaine personne que je ne vais pas nommer pour ne pas froisser des gens, mais on va le nommer Tetsuya Nomura, qui est certes un génie dans son design, dans ses recettes design, mais qui peut être contesté dans ses choix managériaux. On sait que beaucoup de choix ont ralenti le développement de FF15 à cause de ses idées qui auraient pu être formidables sur papier, mais qui trahit, je pense, une certaine naïveté dans le développement et la gestion de projet. On se souvient qu'après un certain visionnage, Tetsuya Nomura a voulu changer radicalement le format de FF15, qui était FF13 versus 13 à l'époque, bien évidemment, mais qui a voulu passer d'un jeu classique à une comédie musicale en trois parties. Et donc FF7 semblait bien parti pour reproduire les mêmes erreurs, qui ont conduit à ce développement chaotique, avec, on se rappelle, la collaboration avec CyberConnect au début et qui fut soldée par un échec. Et donc le jeu a dû être carrément rebooté, carrément être redéveloppé à partir de zéro. Et aussi le choix du moteur qui a dû impacter le développement, qui
Malgré le temps passé titanesque sur le Lemminus Engine, qui œuvre formidablement, je trouve, sur FF15 et qui a été développé dans la conscience, justement, dans cette volonté de proposer un open world, eh bien, le Square Enix a choisi de développer FF7 sur l'Unreal Engine 4. Et je pense que déjà, on sait que les développeurs japonais ont des difficultés à développer sur ces moteurs occidentaux, malgré les efforts qui ont été faits, notamment de traduction, de documentation. Mais ce temps passé sur le Luminous par les développeurs de Square Enix n'a pas pu être capitalisé. Et donc, réutiliser tout le temps et les ressources qui ont été utilisées pour FF15, pour FF7, ce qui explique le retard conséquent qui a été pris, mais aussi le choix, un choix que je conteste, un choix que je réprouve, un choix que je révulse, le choix de proposer FF7 de manière épisodique. Par quelle opération synesthésique on a pu arriver à ce choix désastreux qui va forcément impacter l'aventure globale de FF7, mais aussi sa narration, le découpage qui a été, j'ose le dire, fait avec une machette. On a pris des ciseaux de boucher, on a coupé par-ci par-là, en tentant de rafistoler, de coller comme un collage d'un enfant que je respecte, hein, il n'y a pas de souci par rapport au collage d'enfant, mais tout ça pour dire que c'est assez grossier, assez maladroit, et ça forcément ça me, je peux pas le dire, mais ça me, voilà quoi. Et quel fut mon effroi quand j'ai vu que ce découpage était plus prononcé et plus désastreux que je le pressentais, quand j'ai découvert que bien, effectivement le jeu allait être découpé en deux parties, une partie qui se concentrerait, j'aurais espéré qu'il se concentre sur tout le CD1, mais c'était apparemment trop présomptueux et cavalier de ma part. Le CD1, le Blu-ray 1 ne va se concentrer que sur la partie de Midgar, qui est seulement l'introduction. J'ai vu le pourcentage évoqué par certaines personnes de 15%, et moi je serais encore plus sévère quant à ce pourcentage. Je pense qu'il ne représente même pas 7% de l'histoire globale. Quand on voit que cette partie ne s'étale que sur 5-6 heures, qui est juste l'introduction de l'univers des personnages principaux, mais même pas des enjeux vraiment du jeu. C'est une démo à peine déguisée, un prologue comme le fut MGSV The Grand Zero à l'époque, mais malheureusement le prix déjà ne reflète pas la quantité qui est proposée. Après, j'entends bien que Square Enix nous promet que cette partie sera encore plus détaillée, encore plus étalée, mais justement, je trouvais que le rythme était parfaitement en adéquation avec le scénario, la narration du jeu original. Et donc, le fait qu'on se ralentisse et qu'on s'attarde sur la vie de Midgar dans l'introduction est pour moi une erreur. D'autant plus que la promesse de faire la ville de Midgar une ville au canon et en standard des villes des open world actuels, une grande ville assez ouverte où il y a beaucoup d'activités, me semble une promesse qui ne va pas être tenue finalement quand je vois les trailers. On voit une ville de Midgar avec des espèces de zones interconnectées, des grandes ruelles, mais ça me semble très loin de la vision que je me faisais de ce remake. Mais c'était à prévoir et je pense que c'était presque impossible de faire de la ville de Midgar une ville totalement visitable avec un système de transport qui a été, je crois, me semble teasé. Et je commence franchement à être de plus en plus inquiet concernant ce remake. On a également vu, ou plutôt entreapercevoir, le gameplay qui, je trouve,
entre deux écoles, entre la volonté de faire un gameplay plus action comme FF15, qui je trouvais, et là je vais peut-être me faire des ennemis parmi les fans, mais qui était franchement une très belle trouvaille, un très beau concept, tout en majesté, comme, comme incarne le prince Noctis avec toute cette. Bon, je vais utiliser des superlatifs, mais une certaine grâce, une certaine. Un certain balai qui s'organisait devant nos yeux quand on combat, quand on voyait le travail sur les animations, cette danse dans les airs, cette possibilité de changer les armes, comme il nous semblait dans une simple pression de pavé directionnel, ce qui diversifiait et rendait le gameplay vachement plus poussé et agréable à jouer, je trouve. Qui le rapprochait au Bizemo de l'actuel et qui permettait donc une certaine improvisation, une certaine liberté concernant à comment on allait combattre nos adversaires. Et bien là, on retrouve une certaine volonté de proposer un gameplay action, mais qui a voulu faire plaisir aux fans en proposant une jauge ATB, donc une jauge, une relique du passé, je suis désolé de le dire, mais pourquoi ne pas avoir fait comme dans FF15, avec de proposer le choix entre un mode stratégique qui avait en son sein cette jauge ATB qui permettait donc d'avoir un système plus posé, plus réfléchi pour ceux qui le souhaitent, d'avoir plus de temps concernant nos actions, et un mode total, et un mode plus qui était plus concentré sur l'action pure. Et donc, quitte à faire un remake total du jeu, quitte à charcuter et à découper des éléments primordiaux, pourquoi ne pas avoir continué dans cette lancée et carrément chambouler le gameplay et chambouler les combats du jeu original, comme on a pu le voir, qui sont plus dynamiques, certes, mais qui sont assez pitoyables quand on le compare avec FF15. Quand on voit la pauvreté des animations, quand on voit la pauvreté des actions aussi, on n'a pas vu comment s'interconnecter le système de magie, de matériel et d'invocation. Mais apparemment, les invocations ne sont que cinématiques. C'est une bonne chose. Il fallait garder ce point-là. Il fallait pas faire comme les Final Fantasy récents, c'est-à-dire avoir une invocation à nos côtés. Et aussi voir comment le système de matériel, de magie, va se goupiller dans le gameplay, si ça va être instinctif, si ça va être par un menu, comme dans FF15. Je ne pense pas, et j'espère pas, car cet aspect, pour moi, le plus gros défaut du gameplay de FF15, c'était la gestion de magie. Tout ça pour dire que, de ce point de vue, même cet aspect du gameplay m'a fortement déçu. J'oserais même le dire qu'il ressemble plus un Crisis Core qui était sorti sur PSP il y a au moins une dizaine d'années, qui était assez classique, hein, qui est assez détracteur, mais moi qui je trouve était parfaitement adapté à la PSP avec ces peu de touches et il fallait proposer un gameplay qui puisse être jouable sur console portable, et c'était parfaitement un jeu qui arrivait parfaitement à concilier son genre. Son format d'un plus RPG action avec sa plateforme. Et j'aimerais finir cette longue vidéo. Hein. Je remercie pour les gens qui sont restés pour m'écouter. J'aimerais finir sur, pas une note positive, je suis désolé, mais une note négative, plus que négative. Pour moi, ça a été le clou final, l'eau qui fait déborder le vase. Comment le personnage de Sephiroth a été introduit. Alors pour moi, ça a été, c'était un choc, ça a été une insulte, une injure à mon encontre, je dirais même un jab dans mon foie. C'est comme le personnage de Sephiroth qui a été introduit de la pire manière possible, tel un ennemi lambda, tel un personnage commun, alors qu'il aurait fallu lui rendre honneur en l'introduisant de manière plus lente, mais aussi en choisissant une cinématique, choisissant un moment, un passage qui correspond parfaitement, je pense, au personnage de Sephiroth, à son
à sa manière assez froide, mais aussi à sa volonté indéfectible de poursuivre son objectif, quels que soient les obstacles qui surviennent devant lui. Et pour moi, cette scène, la scène qu'on voit dans le village de Nibelheim, qu'on voit Sephiroth dans le village enflammé, qu'on le voit sourire face à Cloud, et quand on le voit disparaître dans les flammes qui symbolisent la résurrection, plutôt la renaissance de ce personnage qui a retrouvé la chose qui l'animait au plus profond de son être. Pour moi, cette scène était la scène qu'il aurait fallu mettre, mais je pense, et que ça prouve, que le développement du jeu est encore plus chaotique qu'ils ne veulent bien l'admettre. C'est qu'ils n'ont même pas encore développé, ou qu'ils ne sont même pas arrivés encore à cette phase qui intervient quand même, assez, pas assez tôt, mais qui intervient bien avant la fin du premier CD. Donc c'est ce qui m'inquiète le plus. Et je finirai sur ça, c'est que je n'arrive pas à concevoir comment ils vont réussir à retransmettre tout ce qui a été Final Fantasy VII à son époque, toutes les scènes marquantes, bien que ça je ne fais aucun souci pour qu'ils soient présents dans le jeu, mais comment ils sont amenés dans le jeu original, c'est ce qui m'inquiète le plus, avec cette narration éclatée comme on a pu le voir avec le format épisodique, qui est pour moi le plus gros défaut de ce jeu, de ce remake. Et pour moi, si j'avais un seul conseil à donner aux gens, c'est de faire avant ou après le jeu sur PC avec la traduction non officielle, mais très fidèle à l'œuvre originale, une traduction faite par des fans qui est excellente, et de refaire avec le jeu avec les modes de certains fans également qui ont parfaitement réussi à augmenter la résolution et le travail sur les modèles qui ont été assez décriés et qui même à l'époque étaient assez horribles à voir, une salle de conseil. Et donc si j'avais un seul conseil, c'est de se jeter dessus sur cette version et de découvrir ce jeu, ce chef-d'œuvre qui est Final Fantasy VII. Merci de votre écoute, merci DG pour cette tribune et bon vent à tous.